مازال غنتكمل لك كريم بامبا غنعاود نتاوي لك رونيك كريم بامبار السكينة كريم ماشي دي بول ولا اوغوريك اذا كان قلادي 30 اونفير لو 30 نوفمبر تاكيت <applause> كما صا لا كوب اراب دو فوتبول دي قطر عندها التيلي ديكس الجزائر الماروك تونس راني ثلاث ماتش كات كلوب نو افريكان تسكن دي لا كوب اراب الاثنين وتسكنها ميم با دي لازي يعني ولا نضعها ولا دي لازي

est-ce que c'est normal, M. Kira Karim Ben, Rachid, c'est bien que tu as ramené ce, ce sujet, c'est très important. Tout ça, ça fait partie de la politique de domination de l'islamisation et l'arabisation de l'Algérie qui a commencé en 62, et bien avant, mais on parle juste de 62. Exactement. D'ailleurs, il y a même, même un grand journaliste sportif arabe, saoudien, saoudien فهد الشمري يناد جو 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 فوليغ سا يعتبر مشاركة المنتخب الجزائري والمغربي والتونسي رمزيا لأنهم ليس عرب واو وكيرا الناس فهمي لي جوال كي فون كخيي العرب عرب عرب نيغا ألور كو لو كاد سي السعودي ناس كونوي ماشي ضارافن وزيت با ديزاغاب Et je, je vais le relire en français. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Je pense que mon pays, l'Arabie Saoudite, attend, la participation des pays nord-africains n'est que symbolique puisqu'ils ne sont pas arabes. Il dit, cette compétition est arabe, ils ne sont là que comme invités. C'est-à-dire, nous connaissons en réalité des mots l'arabe. L'Algérien qui se dit je suis arabe, c'est un invité, Roari. C'est un invité. Un Saoudi. Un Saoudi, le vrai arabe. C'est le Mohamed. Il est ordinaire des Algériens, vous êtes des invités. Vous n'êtes pas des Arabes. Ça fait qu'il y a des gens qui se disent arabes. C'est un invité. Et c'est bon pour tous les, <seeder> bon les Algériens qui se disent arabes. C'est une leçon. Et ça, c est, c est, je parle aux Algériens qui se disent arabes. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer même les Algériens. Même les Algériens qui ne parlent que il faut les éduquer. Les... Même s'ils ont oublié le cas, ce n'est pas grave. Mais au moins reconnaître ton, ton, ton origine, qui tu es. Parce que c'est bon, même pour l'Algérien qui n'est pas kabyle. Parce que ça, ça va créer de l'union, ça va créer une certaine sociabilité au lieu que ça soit, au lieu qu'on vive dans, dans la, dans les la division. Mmh. tu es, Tous les kabyles d'Algérie sont des Amazirs arabisés et islamisé. Tous les Algériens, Daniel. Tous les Algériens. Je veux dire, tous les Algériens. sont les, mm. euh... des Amazigh arabisés. C'est des Amazigh arabisés. Il dit, c'est de Saoud, lui-même, il a dit, qu'est-ce que tu veux de plus Il t'a dit, va-t'en, tu n'es pas arabe. Va-t'en, tu es une invité. Il mm. n'y a pas plus, est-ce qu'il n'y a pas plus, euh, comment je te dirais, plus... Euh... Plus humiliant que plus ça. Plus humiliant que ça. يعني تخرجت تصور انا د قفافه راب شبالا لا الجيريان كي يدي جو سوي عرب حبيت تفد القفه الجيريان لي تقول انا عربي نتا ما ماشي عربي وقال لك سعودي انا نتا ماشي عربي نتا امازيغي ولا كما يقولوا الرومان سماونا بربر باسكو توس كي نيتي با رومان بس بكري سموه بربر نتا امازيغي لا الجيريان يعني العربي لي يقول انا عربي هو امازيغي Où est-ce qu'elle est un Arabe? C'est quand elle veut faire le de fait au Saoudien. D'Akfef. Elle veut l'humiliation. Tout Algérien qui dit je suis un Arabe, d'Akfef. Parce qu'au Saoudien, tu es un invité chez moi, tu n'es pas un Arabe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il te l'a dit. C'est un journaliste très connu. Fahid Shamri. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mm. Hmm. Mais le, le comble, imagine-toi, puisque l'Algérie a 90% de chances de se réveiller, jusqu'au moment où 90% des joueurs viennent dans des clubs européens, pour la plupart, il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas se réveiller les Arabes. Tu vois, tu vois, des Constantines, des Ouarins, des Annabas, des Algiers, tu vois, c'est-à-dire que l'accent nous sommes des champions arabes ».« Nous sommes des champions arabes ». Alors que les Saoudiens, ils ne sont pas des Arabes. Voilà. Mais tu vois, tu moi, je n'ai jamais compris euh, cette histoire d'arabisation et d'islamisation. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi l'Algérie est rentrée dans cette logique d'arabisation et de, et, de, et, de et de se mentir à soi-même, mentir à sa propre histoire pour devenir arabe. Mmh. C'est très grave. Ce n'est pas que je n'ai pas compris. Bon. Derrière ça, il y, a tout non, un, mais, euh, posez, il y a tout un travail islamique. Pose, posez poser la question autrement hein, Karim, comment ça se fait qu'on est rendu à un point tous les gouvernants qui se font le Zaire, c'est 62, Ertourin, au Guinée de la Chine, les Déquiques de pays arabes. Ertourin

comment tu expliques ce phénomène euh... c est, c est... je ne sais pas comment attaquer ce sujet parce que c'est un sujet très important une oh. chose qui est certaine c'est que le, le couple Bembla et Boumediene ils ont joué un très grand rôle là-dedans parce que ce qui arrive dans l'histoire des pays hein, si tu regardes l'histoire des pays il y a des fois où des individus on changé, changé l'histoire d'un pays. Oh. Hein, tu prends Staline, Lénine, tu prends Napoléon, hein, tu prends euh, comment il s'appelle le grec euh, Alexandre le Grand. À l'âge de 20 ans, il a pris la Grèce pour, euh, pour envahir le monde entier. Ça, c'est des individus. Un hein, pays. Euh, oh. euh, Alexandre le Grand, c'est un génie, c'est un grand guerrier, un des plus grands guerriers de toute l'histoire. Et c'est une personne qui a fait ça. Hein, C'est pas juste. Bien sûr, il y a derrière lui euh, tous ces généraux qui le suivaient très 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 bien. C'est pour ça qu'il a gagné ses guerres. Mais l'histoire, l'arabisation il a, il a, et, et, et l'islamisation à fond, euh, le Bombdien et là ils ont été très très quelque chose là-dedans. Bien sûr qu'il y a eu tout le mouvement, le, 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 comment t'appelles ça, les, les islamistes, le Ulema avant les muslimine. Muslimine. Il y a eu le mouvement qui est venu le, de... le, le le Libanais, tout ça. Il y a le mouvement de l'Arabie Saoudite, Saoud qui voulait Arabiser avec les Anglais. Il y a aussi autre chose. Hein. Il y a autre chose qui est très importante qui a joué dans l'arabisation et l'islamisation, c'est euh, c'est les Anglais. Mmh. Les Anglais, ils ont beaucoup joué avec ça. À moindre mesure, les Français. Les Français, ils ont suivi. Dire... Non, c'est la France qui a annexé l'Algérie la, la, avec du nord au monde arabe aussi. Hein? Oui, oui, oui. À ce, que... Attends, ce que je veux dire, les Anglais, l'idée, l'idée de dominer le monde en utilisant la force religieuse des pays dominés. me mm. Ils utilisent, comme les États-Unis, ils ont utilisé ils ont utilisé euh, Smith, euh, celui qui a bombardé le, 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 les Twin Towers. Ils ont utilisé Ben Laden. Ben Laden. Hein? Ils ont utilisé, ils utilisent le terrorisme, le fondamentalisme pour détruire tous les pays arabes. Mm. Ça, c'est un, ça, ça, ça c'est un, comment t'appelles ça C'est la stratégie ou c'est un petit peu le but des Juifs. Hum. Le but des juifs, c'est de mettre à plat tous les pays arabes. Et comment ils les mettent à plat, c'est en créant le terrorisme, l'islamisme. Le terrorisme, les, 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 okay, c'est une hum. création, mais c'est une création aussi interne. Hein. Il y a eu le mouvement des frères musulmans. Et les Anglais, l'idée là-dedans, c'est comment détruire un pays sans dépenser des armes ou sans dépenser de l'argent. Le meilleur moyen de détruire un pays, c'est par ses propres personnes. Donc, tu vas aller chercher la faiblesse d'un pays pour le détruire. Et la faiblesse d'un pays, comme dans la c'est la religion. C'est la religion, c'est les extrémistes. Donc, ils ont utilisé la religion pour les... Les Anglais, ils ont commencé à utiliser ça en 1780. Ils ont soulevé 20 millions de musulmans contre les 700, à l'époque, hein, avec les 500 millions d'hindous. Ils ont compris ça en 1780. Les Français, ils ont suivi la même chose. Ils ont fait la même histoire. Donc, on revient à Boumdine. Donc, ce n'est pas juste Boumdine, mais aussi les Occidentaux pour qu'on reste toujours dominé, pour qu'on n'évolue pas. Mm -hmm.

مخلصة شو مدينة السعودية كير ثاني ميثا كريم تكوني كنتم شطوح النغل أكثر يض إشياء أرزات ومدينة قيمة ذي تلويث